Bon bah écoutez, merci d'avoir été là, c'est un vétéran des essais nucléaires. Très bien. Parfait. Bonjour, ça va ? Alors, c'est Bénédicte Petitbon, donc je suis président de la communauté de communes du Grand Morin et donc président de l'association de la population. Voilà. Les 80. Voilà. Absolument. Oui, oui. La mère Noire, quand c'est un département, ça reste pas C'est vrai qu'aujourd'hui on fait quelque chose d'un peu solennel, mais en même temps de très symbolique, puisqu'il y a un sous-préfet qui appartient au corps des sous-préfets qui s'installe à Montdidier, ce qui n'était pas arrivé formellement depuis maintenant plusieurs années. On procède en fait à un déjumelage, puisque c'était le sous-préfet de Péronne qui assurait en même temps les fonctions de sous-préfet de Montdidier. Donc oui, on réinvestit cette sous-préfecture, l'État réinvestit dans le département de la Somme, c'est donc un jour important. Quelle utilité justement voilà, de déjumeler, comme vous le dites, ces sous-préfectures ? Ça veut dire qu'on va avoir un haut fonctionnaire qui va s'occuper des dossiers de l'arrondissement de Montdidier à Montdidier. Ça existait à Péronne, mais enfin, évidemment, avoir quelqu'un en plus, ça va être quelqu'un qui va être disponible pour les élus, ça va être quelqu'un qui va être proche, qui va être efficace, qui va pouvoir répondre rapidement aux questions, avoir la réactivité nécessaire. Et puis l'arrondissement de Montdidier, malgré tout, c'est un arrondissement qui compte beaucoup dans la Somme. Il est à mi-chemin exactement entre Lille et Paris, il est sur des axes de circulation importantes, il n'est pas très loin de Paris, il se passe des choses, il y a de l'activité qui arrive, il y a aussi les problématiques que vous connaissez ailleurs dans la Somme, qui sont celles de la ruralité, de la désindustrialisation, donc il y a beaucoup de sujets importants pour l'État dans les années qui viennent, et c'est ça qui justifie qu'on puisse réinstaller un haut fonctionnaire sous préfet de plein exercice à temps plein sur l'arrondissement de Montdidier. Et monsieur le préfet, s'il y a un retour d'un sous-préfet ici à Montdidier, c'est parce que cette présence de l'État affirmée manquait sur le territoire de l'arrondissement de Montdidier en tant que tel ? L'histoire de la présence de l'État territorial, elle a connu un certain nombre de vicissitudes. Vous savez, il y a 10 ans, il y a eu la révision générale des politiques publiques, qui avait peut-être ses nécessités, mais qui a amené à une réduction d'effectifs dans l'État territorial. On a eu aussi la réforme de la régionalisation, et tout ça a pu entraîner une forme de distance, parfois, avec des territoires comme celui de Montdidier, celui de la Somme. Donc le fait de dire aujourd'hui il y a un sous-préfet d'arrondissement qui se réinstalle, c'est quelque part aussi le signal qu'on veut inverser la tendance. Et puis comme l'État investit beaucoup dans les services publics quand même depuis quelques années, on recrute des policiers, on recrute des gendarmes, il y a vraiment des efforts importants qui sont faits. Avoir un sous-préfet qui arrive, c'est aussi l'accompagnement de ce mouvement. Bonjour monsieur le sous-préfet. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement aux internautes du Bonhomme Picard, s'il vous plaît ? Bien sûr. Donc je suis Sylvie Verset, je suis désormais le nouveau sous-préfet de Montdidier. J'étais jusqu'à il y a quelques jours dans la fonction publique territoriale sur des missions de direction de collectivité, puisque la dernière collectivité que j'ai dirigée jusqu'à il y a 15 jours était la commune de La Plaine-Tarentaise en Savoie, qui est la commune support de la station de La Plaine.
J'ai fait des études de droit public, après quoi j'ai passé les concours dans la fonction publique territoriale et progressivement, passant des concours les uns après les autres, je suis devenu haut fonctionnaire. Voilà, je suis marié et j'espère que vous serez heureux de retrouver un sous-préfet à mon titre. Quels seront vos objectifs en arrivant ici ? Mes objectifs, c'est la proximité de l'État avec le terrain, c'est de rappeler que l'État n'est pas seulement à Paris, n'est pas seulement dans les préfectures, l'État n'oublie aucun territoire. L'État est en proximité de chacun d'entre nous, surtout de l'ensemble du territoire français, quelles que soient ses origines, ses conditions, quel que soit son niveau, l'État est présent. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Merci. Bonjour, madame Quignon. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour d'une grande importance et vous êtes particulièrement heureuse. Hein ? Oui, je suis tout à fait heureuse puisque nous accueillons aujourd'hui à nouveau un sous-préfet en titre, en place, à Montdidier. Donc notre ville retrouve son rang et son statut de sous-préfecture et j'en suis très heureuse. Ce retour du sous-préfet, c'est quelque chose que vous appeliez de vos voeux depuis très longtemps. Hein ? Oui, je fais partie de ces élus qui croient en un État régalien. Et du coup, l'incarnation par un sous-préfet présent ici, c'est vraiment l'emblème que l'État s'intéresse à ces territoires, et en particulier ces territoires ruraux dont nous faisons partie. L'arrondissement de Montdidier, maintenant, a son sous-préfet. Bonjour, monsieur Tanguy. Bonjour, et tous mes voeux. Merci beaucoup. Quelle est votre réaction ? Vous félicitez du retour d'un sous-préfet ici à Montdidier ? Oui, c'est une excellente nouvelle. Ça faisait 6 ans que nous avions perdu cette sous-préfecture. Nous avions dit à l'époque que c'était une erreur, d'ailleurs comme tous les élus du territoire. Donc tout le monde s'est mobilisé. L'État nous a entendus, c'est suffisamment rare pour le souligner. Donc c'est très bien qu'il y ait le retour de ce serviteur de l'État qui va permettre de porter des projets, de défendre les acteurs du territoire et de permettre tous ensemble de donner un nouvel élan au développement de notre secteur. Bonjour monsieur Oussulier. Bonjour. Le retour d'un sous-préfet ici à Montdidier ce matin, qu'est-ce que vous éprouvez ? Je trouve un acte fort de l'État, de reconnaître que la suppression de cette sous-préfecture de Montdidier était peut-être un mauvais acte, puisque vous savez que la fusion des deux sous-préfectures de Péronne et Montdidier avait été en tout cas décidée. Aujourd'hui, un sous-préfet à la manœuvre, j'allais dire, au plus près des habitants, des services publics et surtout de la qualité, j'allais dire, d'accompagnement des entreprises dans un moment toujours important pour que celles et ceux qui sont peut-être en difficulté puissent être mieux entendus. Quand le représentant de l'État est plus près de son terrain, c'est à mon avis favorable. Et je trouve que pour Montdidier, qui est une ville importante dans ce département, c'était aussi un signal attendu. Je suis persuadé que les élus locaux, les élus départementaux sont ravis de cette décision. Donc moi je trouve que clairement, lorsque le président Luic a décidé la réouverture de quelques sous-préfectures, j'étais ravi qu'il pense d'ailleurs à la Somme, ce département qu'il a vu naître. Et on l'a vu à l'instant, monsieur Oussulier, vous avez offert en signe de bienvenue au sous-préfet quelques présents. Il faut toujours être aimant avec les représentants de l'État et je trouve que c'est bien aussi de montrer la fierté que nous avons à montrer les plus beaux endroits de ce département. Il y a de très beaux livres sur la Somme et c'était l'occasion pour moi en tout cas de lui offrir ses livres, mais aussi quelques spécialités à déguster, les macarons et les tuiles de chez Trogneux, c'est pas bon pour l'embonpoint, mais c'est tellement bon à déguster. Je pensais que c'était aussi un bon signal pour un sous-préfet qui est de nouveau parmi nous parce que le président Luc l'a décidé. Après tout, c'est un geste vers la famille, la belle famille du président de la République. Et c'était aussi un pied de nez. Comme ça, au moins, il aura goûté ce qui est un peu une spécialité dans le département. On peut être fier aussi de tous ces artisans qui, comme ça, créent des produits qui sont aujourd'hui véhiculés dans toute la France et ailleurs. C'était bien que le sous-préfet les connaissent. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour monsieur Cardon. Un sous-préfet qui arrive ici à Montdidier aujourd'hui, quelle est votre réaction ? C'est une très bonne nouvelle. À la fois ça va rassurer les élus que nous sommes, les institutions, également les habitants. Et donc ça rapproche, en tout cas ça fait un effet de proximité. Donc c'est une excellente nouvelle pour le secteur et pour l'arrondissement de Montdidier. Merci beaucoup.